Faut pas mourir comme ça, les gens. C'est mal de mourir. La mort, c'est mal. Ok, prends son. Putain, mais ça pique. Plan 2, deuxième. Top. Je t'en parlais pas là. Non, mais... Je suis nerveux. C'est magnifique. Je sais. C'est la toute nouvelle mode. Ah, c'est froid, ça. C'est plus de sauce, t'as qu'à agiter le four. J'ai envie de chatouiller les pieds. L'attention de meilleur. Qu'est-ce qu'on fait en faire, ça? Regarde ta caméra, j'ai changé. Putain, ça fait trop pas, c'est génial. C'est excellent. Ça fait trop moche. Oui, l'image. Pourrais lâcher la sauce après. Ça, c'est du putain de bon maquillage. On a Edouard qui chatouille les pieds de Clémentine. Il y a Admo qui a amené des sortes de feuilles sur le saucisson. Alors c'est comme du basilic, mais en mieux. Moi, je tiens à préciser que les feuilles viennent de la plante verte de l'entrée de la MJC. C'est pour donner du goût. Fête de tournage numéro 1. Le sauciflard est super bon. Famille que j'aime. Et... Ils me torturent ici, ils me mettent à poil et ils me font écouter du Patrick Sébastien. Ce qui ne me déplaît pas. Je rappelle au président François Hollande de venir me sauver. Coucou maman. Coucou maman. Coucou papa. Et coucou. Coucou maman. Coucou. C'est qu'elle. Bonjour, on fait une bonne famille. C'est vrai qu'on dirait que je présentais les infos. Non mais ça va. Ça va, Nul. Voilà. Bonjour à tous, Flash Info, nous avons une triste nouvelle. Nous venons d'apprendre la mort d'Adèle. Les 45 autres comptes alimentaires écrits par Andy Subway sortiront le mois prochain dans notre... Je suis la carte de la météo parce que je suis en bleu. Waouh. Ça va. Dans les Pyrénées... dans le creux du Massif Central. Je peux tripoter la barbe. J'avais les mains pleines de barbecue en fait, donc du coup... Putain, mais oui, ça pue le barbecue. Barbecue. Putain, mais arrête. Ça pue ça. C'est encore en train de tourner, là, mais... Dis, mettez-vous à poil. Oh non. Pourquoi il n'y a pas que des jambons sur cette terre? Salami, c'est vrai. Prends pas des salades. Ah putain. Tu l'es, là, il... Ah putain, c'était excellent. Voilà, Monsieur réalisateur, êtes-vous content de ce que vous avez tourné pour l'instant? Ah s'il vous plaît, on dérange pas. Vous avez une autorisation. Vous avez. Putain, j'arrive même pas. Vous avez une autorisation de tournage là? Bon bah voilà, la crise, bah c'était la seule qu'on avait, donc on s'en contentera, mais. Pardon. Elle est bonne. Je vais montrer ma bite devant la caméra. Non, je ne peux pas. Blah. À part ça, et ben, ah merde, on se les caille. On se les caille, on va rentrer. On caille, on va comme rentrer. Les poissons, on se les caille. Voilà, donc on mange des jambons de beurre, évidemment. C'est la fin de sandwich. Alors, heureusement qu'ils sont partis, les autres, ils n'en avaient pas assez pour tout le monde. Voilà, alors, seigneur réalisateur, qu'est-ce que vous pensez de cette matinée? Les acteurs n'étaient pas au top. On a perdu beaucoup de temps parce qu'ils allaient tout. Niveau image, c'était pas ça. Le son, je sais pas, mais bon, c'est combiné. Ça convenait pas. Voilà. Donc j'en profite juste entre les petites vidéos, pour ça c'est sympa, c'est mes petits joueurs, c'est rire et tout. Mais vraiment, sérieusement, on a besoin de matériel pour filmer, des trucs performants et tout. Donc, on a un jour de rançon. Je te fasse pleurer, moi. Comment? Donc on demande 15 000 euros à la famille, en plus ça le fait rire. On coupe, attention les coups des bras, j'ai déjà coupé là, parce que là, il reste des moyens. Les cheveux, ouais, les cheveux, de toute façon c'est déjà une catastrophe. Et donc on voit après les membres un par un à la famille, donc 15 000 euros d'ici la fin de la semaine. Le mot du jour? Cacahuète.